Bonae suezalina nguya. Bonae suezalimonene. Oh, eco pesa esengo. Eco pesa lobico. Na pamboli. Shalom à tout le monde. Kombona Yesu ezali monene. Bonjour à tout le monde. Bonsoir ou bon après-midi à telle heure que vous me suivez à ce moment. Je demande la présence du Seigneur à ce moment. Car ce n'est pas Vanessa Kachor qui va vous parler. Mais à ce moment, c'est la servante que l'Éternel va utiliser pour pouvoir passer le message à son peuple, à ses enfants. Le Seigneur, il est merveilleux. Il aime chacun de nous tel que nous sommes. À ce moment, peu importe là où tu es, tu as peut-être été réveillé mal. Tu as mal dormi. Tes pensées sont en train de t'embrouiller. Tu te sens triste. Tu ne sais plus te contrôler. Tu ne sais plus comment faire les choses. Mais sache qu'une chose, toute chose a son temps. Comme il y a le commencement de toute chose et la fin aussi de la chose. Vaut mieux la fin de cette chose que son commencement. Si je prends le livre de Jacques, verset 1. Chaque serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ salue le doute troublé d'ici, dispersé du peuple de Dieu. L'épreuve et les persévérances, les épreuves que tu dois passer aujourd'hui. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. L'épreuve que tu es en train de passer aujourd'hui dans ta vie, la souffrance que tu es en train de vivre aujourd'hui, non, dans ta prière, peut-être tu te dis, ah, c'est la volonté de Dieu. Peut-être là où tu es, tu te dis, ah, c'est Dieu qu'il veut. Dieu, son plan dans notre vie, ce n'est pas de nous faire souffrir, mais c'est de nous apprendre. La souffrance, les épreuves que tu es en train de vivre ne doit pas te détourner vers la parole. Ne doit pas t'amener dans la tristesse, ne doit pas te briser, ne doit pas te neutraliser, ne doit pas te changer spirituellement ni physiquement. Souvent les êtres humains ne comprennent pas, moi je dis les êtres humains parce que nous sommes des hommes que Dieu a créés selon son image. J'ai l'impression que beaucoup de nous aujourd'hui oublient que Dieu il a dit, il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que le Seigneur qui nous a créés, il est parfait. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu puissant. Il a créé le ciel et la terre. Donc quand je lis encore, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il faut la demander. Il faut demander, le Seigneur te donnera. Mais je retourne encore. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, quand tu passes par toutes sortes d'épreuves, que ça soit dans le bonheur, que ça soit dans le malheur, mais je vais vous parler plus dans le malheur. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les chrétiennes, les enfants de Dieu, acceptent leur souffrance et ils portent ça en eux. C'est-à-dire que tellement la douleur, tellement la souffrance passe, que tu as porté ça avec toi comme si tu portais tes vêtements. Et cela ne te laisse plus en paix. Tu es triste. Tu deviens malheureuse lorsque tu oublies que ce sont des épreuves à laquelle tu es en train de passer. Un riche, avant qu'il soit riche, a dû se battre. Une femme, pour accoucher, elle a dû donner sa force et crier pour que l'enfant sorte. Une femme qui est dans le lit d'hôpital pour accoucher, si elle ne met pas sa force, si elle n'écrit pas, elle ne fera pas sortir l'enfant ou on va l'opérer. C'est par la force que nous avançons et surtout par la foi au nom de Amashua, le Tout-Puissant. Il a dit, remerciez le Seigneur dans toutes circonstances, dans tout ce que tu es en train de vivre. Ezalana Sengo, Ezalana Passi, Yebisae merci. Parce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui peut aider quelqu'un le lendemain. Beaucoup de gens ne savent pas que leur vie c'est un témoignage. Ta vie n'est pas toujours ta propre vie. Comme il a dit dans sa parole, vous vivez dans ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde.
Si toi, tu te considères autant qu'enfant de monde, soutien de ce monde, moi, je ne le suis pas. Ma soeur, mon frère, je viens t'apporter une parole aujourd'hui qui va te donner la paix. Une parole à laquelle il faudra que tu l'écoutes sagement. Et tu demandes le discernement pour que tu puisses le comprendre. Il y a une, tout le temps, il y a un commencement, il y a une fin à toute chose. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, elle est bonne. Maman, quand tu fais des bêtises, elle t'écrit. Vrai ou faux. Toi, en étant jeune, quand tu fais une erreur, quand tu fais quelque chose n'est pas bien, maman, elle va t'écrier. D'autres, même, on les tape. D'autres, même, on les tabasse, je pourrais dire. Entre parenthèses, même, on te fait gonfler les yeux juste pour qu'on puisse t'apprendre. Mais qui est cet homme qui nous a créés? Il ne voudra pas nous châtier pour nous réveiller et nous ramener dans le bon chemin. Il n'a pas créé ses enfants pour qu'ils souffrent, mais il nous a créés pour qu'on ait un témoignage, pour qu'on puisse avancer. Je continue. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, considère-toi comme heureux. Il y a des riches qui n'ont jamais vécu dans la souffrance et que dès qu'ils perdent l'argent, ils n'ont plus rien, ils deviennent pauvres, ils se suicident. J'ai connu des gens qui ont toujours eu la belle vie, qui ont toujours eu l'habitude d'être riches, d'être bien, d'être madame, d'être messieurs. Le moment à laquelle ils perdent cette vie-là qu'ils avaient l'habitude, ils n'arrivent plus à vivre. Beaucoup se suicident. Mais un pauvre aujourd'hui qui devient riche, il saura comment s'adapter et comment vivre, même dans la richesse. Mais il y a aussi des pauvres à laquelle qui n'avaient rien. Ils sont devenus des riches, ils ont tellement fait l'ambiance qu'ils ont tout perdu et qui se sont aussi suicidés. Tu ne passes pas par ces épreuves pour que tu sois malheureuse. Non, plutôt pour que tu te réveilles. Si jusqu'aujourd'hui tu ne te rends pas compte, moi je viens te rappeler. Le Seigneur a un bon plan pour toi et pour moi. Il a un bon plan pour chacun de nous. Moi, j'ai dit tout ce qu'il fait est bon. Il ne faut pas me voir en train de vous parler tout le temps heureuse, tout le temps joyeuse. C'est que dans ma vie, tout est parfait. Je passe par des épreuves tous les jours dans ma vie, mais tous les jours dans ma vie. Je dirais plutôt, mon mari me dit aujourd'hui, il m'a dit, mais notre vie, c'est comme même pas une film, c'est comme une série. Ça continue à ce fait d'amour. Depuis que le fait d'amour a commencé jusqu'aujourd'hui, le fait d'amour ne finisse pas. Ça continue, c'est comme ça. J'ai l'impression que ma vie, c'est une série. Tous les jours, il y a des hauts, il y a parfois tellement de bas que je me dis, mais Seigneur, où es-tu? Il est toujours là, présent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé, ce n'est pas parce qu'à la maison, ça ne va pas, ce n'est pas parce qu'avec ta femme, avec ton mari, ça ne va pas que Dieu t'a laissé, non. Parfois, il t'a fait vivre ça parce qu'il a juste besoin que tu lui dises, merci Seigneur pour la souffrance. Merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu m'as montré que ça. Merci Éternel et sois béni. La foi c'est une chose qui peut restaurer et qui peut changer. Dans tes moments les plus durs, crois en Dieu, ne l'abandonne pas. Je t'ai dit, le diable n'a pas le pouvoir de rentrer dans ta vie sans que celui qui t'a créé le don l'autorisation de rentrer. Un visiteur, ton voisin qui veut venir chez toi à la maison, il n'a pas les clés de ta maison. La seule personne qui peut rentrer chez toi, ou ton mari, ou ta femme, ou tes enfants. Mais en étant que tu n'as pas donné les clés ni à ta belle-maman, ni à ta maman, toi, ni à ton beau-papa, ni à tes belles-sœurs, ni à tes amis, ton ami ne pourra pas rentrer chez toi sans qu'il ait les clés. C'est-à-dire que celui qui t'a créé, il a le pouvoir sur ta vie même plus que toi. Il te connaît mieux que toi. Il voit. Amonakanamulili. Quand c'est noir, il nous voit. Il voit un petit fourmi noir. Dans le noir. En dessous d'un pierre noir. En lingala, ça donne Amonaka. Fourmi amundu na libanga amundu na mulili. C'est-à-dire, même si tu te caches, peu importe où, le Seigneur te voit. Car il t'a créé. Il connaît le profondeur, le désir de ton cœur. Il sait donc ce que tu désires et ce que tu as besoin. Le diable ne peut pas rentrer dans ta vie. Il y a certaines choses que le Seigneur permet
pour dire vas-y, tente mon enfant et tu verras. Il va aller et quand il te coûte en train de trembler, tu n'as pas assez de foi. C'est de là que beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens passent par des émotions heureux, malheureux, heureux, l'équilibre. Il faut être équilibré. Quand même balance, tu mets trop de choses dans une seule balance, ça va faire comme ça. Mais quand tu mets dans tous les deux côtés, ça va. Hein? Au début, c'était ici un peu plus. Tu enlèves d'ici, tu mets encore un peu ici, ça commence à... Petit à petit, ça devient la même chose. Je vais vous dire, hein, c'est pas que parce que je vous parle que ma vie, vraiment, elle est équilibrée. C'est pas parce que je vous parle que moi, je suis mieux que vous, je connais mieux que vous, non. Mais le Seigneur m'utilise en étant un enveloppe pour vous faire passer son message. Il utilise peu importe qui, celui qui est dans la disponibilité. La façon que je suis en train de parler, il est capable de toucher ton cœur, de faire la même chose. Mais est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es disponible? Avant de vous parler... J'ai eu très très mal à la tête. Je l'ai toujours. Ça commence à baisser. Que j'ai même dit, ah, je ne vais pas prêcher. Tellement j'ai mal. Mais l'ennemi, il s'est trompé. Dans le moment de malade, dans le moment de tristesse, dans le moment de la joie, il faut l'adorer, il faut l'élever. Dernièrement, j'ai été à l'hôpital. J'avais fait une mal à l'aise. Au lit d'hôpital, j'étais en train même de travailler. Mon mari me regarde, il n'a rien dit. Et c'est après qu'il m'a dit, mais toi, t'es incroyable. C'est-à-dire que dans tout le moment, si tu arrives à travailler même là où ça ne va pas, c'est-à-dire que tu arrives aussi à l'adorer là quand ça ne va pas, tu arrives aussi à lever le nom de Dieu, que ça soit dans ta foyer, que ça soit dans ton travail, que ça soit dans ton hobby, dans tout ce que tu fais, il faut élever le nom de Dieu. Si aujourd'hui tu ne vois pas la main de Dieu, ça fait 30 ans de souffrance, ça fait 30 ans, 40 ans de tristesse, 10 ans de malheur, c'est parce que tu le veux. Tu es condamné toi-même. Tu es devenu l'esclave de ton malheur. Tu es devenu l'esclave de ton propre malheur, de ta souffrance, parce que tu donnes ce pouvoir à l'ennemi, à des pensées négatives, de prendre l'autorité sur ta vie. Nous sommes tout d'abord le petit Dieu de notre vie. Avant que Moïse, je vous répète toujours cela, avant que Moïse, il sache qu'il était le Dieu libérateur, c'était un prince dans le palais. Imaginez-vous la puissance de l'Éternel. Et Dieu avait le pouvoir d'endoucir le cœur des pharaons. Mais il avait enfermé pour voir la foi de Moïse jusqu'à ce qu'il a endoucé. Non, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir, mais toi aussi, il faut que tu montres à Dieu que la volonté que tu as. Si tu pars chercher du travail en mode avec ton CV, ouais, j'ai souffré. Ah, je ne sais pas comment vous partez chercher le travail, hein. Ah, moi, pour moi, ça ne va pas. Nazo, souffrir, souffrance. J'ai vraiment besoin de cet emploi. Donnez-moi. CPS ne m'aide plus. La maison où je suis, ce n'est pas bien. Ma soeur, on ne cherche pas le travail comme ça. Même si tu souffres, ce n'est pas le problème de la personne à laquelle tu vas. Il faut aller avec une fierté. Tu te lèves. Tu prends ton CV. Moi, un jour, je suis partie à Massimo Dutti. Hein. À l'époque encore, je m'habillais rouge, vert, jaune. N'a bêté là-bas, on ressemble à militaire. Je ne sais pas si je voulais être militaire. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas avec ma coupe même là. J'ai porté des en bas jusqu'en haut, vêtements militaires. Je vous dis militaire, bottes, mes cheveux blancs. Un gros bloc d'oreille ici, un piercing dans une magasin chic. On dit les magasins des riches. Je ne sais pas si vous connaissez Massimo Dutti à Anvers. Un peu partout, il y en a. Je suis partie. La dame, elle m'a regardé. Elle a dit, t'es sûr, toi là, tu vas travailler ici. J'ai dit, vous avez besoin de moi. Je parle 7 langues. Vous avez donc besoin de moi. Je suis quelqu'un de très joyeux. Je rigole. Je sais très bien vendre. J'ai étudié la mode. Donc, la décoration, même ici, je peux décorer s'il le faut. Je peux habiller même vos poupées là. Je peux même vous aider. Tout ce qu'il y a à faire ici, je peux le faire. Elle m'a dit, mais toi-même, comment tu es là, habillé là? J'ai dit, ne regarde pas ça, je suis très motivée, je sais que vous avez besoin de moi. Même si j'ai besoin de vous, mais vous avez besoin de moi. Parce que je dois vous faire rentrer d'argent. Mais ce n'est pas avec l'arrogance. Parce que le Seigneur, il résiste envers les arrogants.
C'est avec humilité, mais avec une assurance que j'avais, que je parlais. On m'a donné le travail. Au fin du mois, on m'a payé même double fois. C'était une erreur, mais c'était ma bénédiction. J'ai pris. Jusqu'à là, je ne peux plus rentrer de rembourser leur argent. Tu dois avoir une foi. Tu dois avoir une foi, mais une foi énorme. Il y a des gens que tu vois bien sapés, hein, bien habillés. Tu ne sais pas là où ils dorment. Pourquoi? Parce qu'il a la foi en son Dieu. Il y a des messieurs que tu vois, peut-être ils n'ont pas mangé, mais bien habillés en costume. Bien habillés, ils ont l'air heureux. Mais dès qu'ils rentrent chez eux à la maison, ils se mettent à genoux, ils pleurent devant leur Dieu, non devant les hommes. Ta souffrance, tu ne dois pas qu'elle le montre envers les hommes. Tu peux témoigner, certes, oui. Mais il faut voir quand, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est le moment. Toi, tu crois que si tu pleures envers les hommes, c'est là laquelle ils vont te bénir. Sache que c'est où tu pleures, c'est là où ils vont te moquer de toi. Maudit soit celui qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui cherche son refuge envers Dieu. Il faut vous endurer jusqu'au bout. Il faut continuer à persévérer. Il faut avancer. Je répète encore, mes frères et sœurs, le plan de Dieu n'est pas de te voir pleurer, mais c'est plutôt de t'apprendre à remonter, à avoir la foi. Beaucoup de gens ont que la foi, l'espoir, à demander l'argent à leur ami. Emprêtez-moi, non, non, dis-moi. Moi, mon mari, je peux mettre mes mains dans le feu pour lui. C'est ça souvent que j'attends chez les femmes. De temps en temps, chez les hommes, moi, ma femme, vraiment, non, 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 non. Elle, vraiment, non, 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 non. Ma soeur, moi, ma mère, je peux mettre mes mains dans le feu parce que ma mère, vraiment, non, 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 non. Mais tu as la foi à ta mère, tu as la foi à ta femme, comme tu as la foi à ton mari. Tu crois en eux, mais à celui qui a le pouvoir sur ta vie, sur ta mère, sur ton mari, sur ta femme, tu n'as pas assez de foi en lui. Comment veux-tu être béni? Comment veux-tu avoir la main de Dieu dans ta vie? Comment veux-tu que le Seigneur vienne ouvrir les portes qui étaient fermées, qui te donne le pouvoir d'avancer, de résister sous toutes les épreuves? Si tu ne laisses pas ce temps à Dieu, comment veux-tu que ta vie change? Comment veux-tu que tu montes des dimensions, de gloire à gloire? De gloire à gloire, il doit nous ramener. Tu n'as pas honte de croire aux hommes, mais tu as honte et tu as moins de moins la foi de croire à celui qui fait des miracles. Je vais te dire une chose, hein. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, il est capable de ressusciter une mort qui était morte pendant des milliers d'années. Il est capable de faire sortir ici même Élie, Élie, le prophète Élie. Il est capable de ressusciter même lui-même ici, il sort Moïse, le roi David. Il est capable de leur ressusciter, de leur mettre en vie pour qu'on puisse voir la gloire de l'Éternel. Ne jouez pas avec la parole. Ne jouez pas avec la puissance de l'Éternel. La façon que tu es en train de mettre ta confiance à l'homme, ça devait être plus cela que tu mettras à celui qui t'a créé. Si nous ne sommes pas bénis aujourd'hui, si nous passons par des épreuves jusqu'à maintenant, si nous sommes toujours tristes maintenant, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est de nos propres responsabilités. Parce qu'il a mis la puissance dans notre bouche de déclarer des bonnes choses. De déclarer des bonnes choses. Il a dit, en celui qui croit en moi, il sera sauvé. Croyez et vous verrez. Crois et tu verras la main de l'Éternel. La sagesse et la prière. Si l'une de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donnera, car il donne à toutes généreusement et sans faire des reproches. Tu as besoin de sagesse. Besoin de discernement, demande à l'Éternel. Mais pour aller demander l'argent, pour aller emprunter des habits à vos amis, à vos copains, vous le faites très très bien. Mais pour aller seulement s'asseoir, se mettre à genoux et dire l'Éternel, je suis en manque de sagesse et j'ai besoin de sagesse pour pouvoir avancer, vous ne le faites pas. Je vais te dire une chose, à l'école tu peux aller, tu vas apprendre l'intelligence.
Moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai un peu d'intelligence, mais je suis remplie de sagesse. La sagesse, ça vient de l'Éternel. La sagesse, c'est une chose que tu ne peux pas la prendre, ni à l'école, ni par tes parents. Mais c'est l'Éternel qui donne. Tu es né avec la sagesse. Au plus tu pries, au plus il te remonte des sagesses. C'est la puissance de l'Éternel. L'intelligence, l'homme peut te la prendre. Certes, oui. Parce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme d'apprendre aux autres l'intelligence. Mais la sagesse, c'est une chose que quand tu es dans la prière, et c'est ça que Dieu donne. Soyez remplis de sagesse au lieu d'être remplis de l'intelligence. Je vous dis, avec l'intelligence, tu peux faire beaucoup de choses. Mais avec la sagesse, tu peux changer le monde avec la parole de l'Éternel. Mon frère, tu manques de sagesse, mais tu ne veux pas aller le demander. Comme tu as peur de le demander, mais tu n'as pas honte de te humilier devant les amis, devant les hommes. Lorsqu'il a dit, l'humilité procède la gloire. Quand le Seigneur parle de l'humilité, il ne parle pas seulement d'aller s'humilier devant ton frère ou devant ta sœur. C'est plutôt de le rechercher dans l'humilité. Nous voyons beaucoup d'hommes élevés par le Seigneur, mais qu'aujourd'hui sont en train de tomber parce que beaucoup ont manque d'humilité. Donc, l'humilité procède la gloire. Humiliez-vous. Quand tu as un manque de sagesse, pour pouvoir comprendre que, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, dites-le merci. Pour comprendre cette parole, il faut d'abord demander la sagesse. Que dès que tu as la sagesse, le discernement, tu pourras comprendre la parole de le Seigneur qui veut nous faire passer aujourd'hui. Le Seigneur, il est amour. Il t'aime là où tu es. Sache-le, ne perds pas espoir. Continue à persévérer dans la parole. Continue à y croire. Élevez-vous puissamment dans la prière. Parce que c'est lui seul qui va faire. Je veux vous dire une chose, j'avais perdu espoir dans le pays à laquelle je vis en Belgique. J'ai perdu l'espoir de toutes choses. Je me disais, ce pays est maudit pour moi. Parce que je le déclarais aussi de ma bouche. Je disais, ce pays n'est pas le pays à laquelle je dois vivre. Moi, c'est la France. Moi, je dois aller à Paris. Moi, Paris. En plus, à la base, je suis néerlandophone. J'ai même laissé mes études néerlandais. Parce que je me suis dit, non, le néerlandais, je suis fatiguée. Ah, les langues là, des... Non, pardon. Nalembi, maman, nalembi. Ça me faisait même des bruits lorsque c'était une langue que j'ai aimée. D'un coup, je me suis dit français. Je vais devenir madame français, comme Marie de Pèze. Française, je vais parler les articulations. Je me suis dit, je me vois vraiment en France, à Paris, avec tous les feuilles là-bas, vraiment ça va pour moi. J'étais prête, dans le but, vraiment, comme une parisienne. Déjà en Belgique, même déjà dans un sans papier, mais en France, déjà, je vais déjà aller pour devenir parisienne. Imaginez-vous la dimension de mes propres pensées. Mais imaginez-vous ce que le Seigneur voit. Si le Seigneur t'a montré le pays à laquelle tu vas vivre, si ce n'est pas les temps, ce n'est pas les moments, même si tu pars, tu ne vivras pas ces bénédictions. Tellement je me suis dit, c'est mon pays, j'étais prêt de laisser tout pour aller parce que je sais que oui, le Seigneur m'a dit c'est là-bas, c'est là où il y a ma bénédiction. Mais le Seigneur, il est capable de détourner. Il est capable de détourner les choses, de changer toutes choses. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur notre vie. Tellement je voulais et aussi m'avait permis, je me suis dit ici, ça ne va jamais marcher pour moi. C'est dans ce même pays à laquelle je déclarais ça n'avait pas marché pour moi. C'est dans le même pays que le Seigneur m'a béni dans le mariage. C'est dans le même pays à laquelle j'ai eu mon fils. C'est dans le même pays à laquelle le Seigneur m'a ressuscité. C'est dans le même pays à laquelle le Seigneur a permis que je ouvre un magasin. C'est dans le même pays à laquelle le Seigneur est en train de m'élever puissamment pour sa gloire et non pour la mienne. Ma sœur, laisse-toi guider par Dieu. Même si tu as montré que ton pays c'est l'Amérique, si ce n'est pas le temps que tu pars en Amérique, tu vas y aller, tu peux vivre des cauchemars, tu peux être malheureuse, te dire ah, le Seigneur ne me parle pas, je me suis trompée de la parole. Non, 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 ce n'était pas le moment exact à laquelle tu dois être en Amérique, ce n'était pas le moment exact, tu dois retourner au Congo. Laisse-toi guider et là tu verras la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Il ne faut pas forcer les choses, il t'a dit. Mais le moment exact, ça va arriver. Le pays à laquelle je n'avais perdu l'espoir,
Ces pays à laquelle je m'avais dit ce n'est pas les miennes. C'est le pays à laquelle que mon visage est rempli de joie. C'est le pays à laquelle je suis en train de voir. Comme on dit, allons la cassonne. L'Éternel est capable de lever ta honte. Là où on t'a maudit, là où les ennemis ont déclaré des mauvaises choses dans ta vie, il est capable de te faire s'asseoir là. Il t'est béni là pour confondre le plan d'ennemi. Après, il te fait sortir directement vous. Soyez comme le vent avec Dieu. Parce que quand il avait donné la vie à Adam, il avait soufflé. Et quand il a soufflé, c'était la souffle de la vie. Demandez au Seigneur de souffler cette voix-là. Cette souffle de vie qu'il a donné à Adam et Ève. Que le souffle sur toi. Que le souffle chaque matin. Je vais te dire, souvent, c'est nous-mêmes qu'on empêche qu'on soit béni. Peut-être c'est toi qui es en train d'empêcher ta bénédiction. Parce que, moi je n'aime seulement comme ça. Ah, moi c'est comme ça. Hein. Moi non. Et moi je suis les femmes de l'Olendo. Et moi, pardon. Moi les hommes comme ça. Moi les femmes comme ça. Moi les travails comme ça, ce n'est pas mon travail. Ma soeur, le Seigneur est capable de te faire passer dans ce travail-là où tu es aujourd'hui pour qu'il fasse en sorte que tu deviennes hein, la chef. Mais tellement tu n'as pas l'humilité, tellement tu n'as pas la sagesse ni le discernement, tu ne vas pas comprendre et tu perdras plein de bénédictions. Je vais te dire une chose. Tu peux perdre ta bénédiction une fois, le Seigneur te redonnera. Tu le perderas encore. Sache qu'il y a des temps à laquelle tu devras vivre pour te réaliser que non, là tu es en train de commettre des erreurs. Il y a des hommes à laquelle ils ont perdu leur bénédiction. Ils ont pris 40 ans de souffrance en train de pleurer. Il y a des femmes à laquelle ils ont laissé leur bénédiction passer. Ils ont pris des 50 ans de tristesse, de malheur en train de pleurer juste pour récolter ces bénédictions-là. Il faut racheter. Il faut demander au Seigneur. Surtout, soyons rassurés. Soyons posés. Ne soyons pas comme un soyons quand même les fourmis. Les fourmis travaillent en équipe, travaillent avec ton cerveau, avec ton cœur. Travaillez avec ton corps aussi, ensemble. Mais dans le Seigneur, dans la parole, ne soyez pas pressés. Ce n'est pas qu'Ikulungulu, elle a marché, toi aussi tu dois marcher. Ce n'est pas parce que lui, il est parti là-bas que ça a marché, que toi aussi ça va marcher. Peut-être que le Seigneur te voit seulement là où tu es. C'est là où seulement il va te bénir. La foi ne rend pas les choses faciles, mais il rend possible. Est-ce que tu as la foi dans ton travail que tu fais? Est-ce que tu as la foi dans la souffrance que tu es en train de vivre, que le Seigneur est capable de te restaurer? Est-ce que tu as vraiment la foi? Est-ce que tu as la foi, ma soeur? Où est cette foi que tu avais dans la parole? Est-ce que tu as la foi? Tu as seulement la foi quand le Seigneur te bénit. Tu as la foi seulement quand tu touches l'argent. Tu as la foi seulement quand tu es bien habillé, quand tu manges bien. Et quand tu es dans le malheur, dans la tristesse, ou par cette foi-là, tu le mets à côté. Louez le Seigneur dans le moment dur et dans le moment bon. Élevez son nom. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Soyons comme le fou, mais dans la sagesse. Ngaï, moi on m'appelle folle. Je suis folle en Jésus. Parce que j'ai vu la puissance de l'Éternel dans ma vie. Parce que j'ai vu comment il est capable de changer la vie de quelqu'un, même pas de moi. J'ai vu ce que Dieu est capable de faire. Quand il dit, il le fait. J'ai vu la puissance. J'ai vu sa gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Il nous ramène. Il nous ramène. C'est pas parce que je suis là en train de vous prêcher que je suis mieux que quiconque le soit. Non. Je prends exemple de ce que je vis. Et je le témoigne pour que vous puissiez être aussi sauvés et monter dans la parole. Mon frère, tu sais que parfois, c'est nous-mêmes qu'on empêche le bonheur dans nos vies. C'est parfois à cause de nos orgueils. À cause de notre adulte, tellement fait qu'il est adulté. Mais est-ce que... C'est ça qui empêche. Mais maintenant, commence à te dire oui. Pas de est-ce que, mais oui. Je suis grand. Je serai, non. Non, je ne serai pas. Je le suis déjà. Je veux, comme eux, ils ont fait, mais je ferai mieux encore que eux. Je suis grand parmi les grands. Je suis la tête et non la queue. Mais est-ce que tu oublies que tu es l'enfant du roi, le tout-puissant?
Tu oublies que dans ta parole, dans ta bouche, le Seigneur a mis la puissance de déclarer. Mais tu l'oublies. Je peux donner un exemple d'un maman qui est en train d'élever son enfant. Imaginez-vous, je lève Ellie en lui disant tout le temps, Ellie, tu es moche. Ellie, tu es bête. Ellie, tu es moche. Ellie, tu es bête. En grandissant, Ellie, voyou. En grandissant, l'enfant dira quoi? Ah, je suis bête. Je suis moche. Je suis voyou. Parce que, ah, on m'a toujours dit ça. Laissez-moi. Même si on va l'insulter, il en a... Ah, mais maintenant, imagine-toi, l'enfant grandit, tu l'appelles Mokondi. Tu lui dis, mon fils, tu es beau, tu es grand, tu es intelligent. Oh, Mokondi, tu vas être un grand homme. Il va grandir. Si quelqu'un vient lui dire quelque chose de mal, il va dire, d'un petit, ma mère me disait que Eli Aza Mokondi, que Eli, il est grand, que Eli va être un grand homme, que Eli, il est beau. C'est-à-dire dans la parole avec laquelle nous déclarons les choses, ce sont ces choses-là qui se réalisent. Mais par manque de sagesse, de discernement, qu'on ne se rend pas compte. J'ai grandi, hein. Quand j'étais petite, j'avais les difficultés d'écrire mon nom. Mes oncles me traitaient tout le temps de bête, zoba, boura, 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 boura. Et en grandissant, j'avais un peu trop ça dans la tête. Mais je savais de moi que je n'étais pas bête. Mais tellement que c'était trop rentré, que même à l'école, si la professeure me disait, mais tu es bête. Je la regardais, j'ai dit, mais ça ne me fait rien. Tellement j'ai attendu ça toute ma vie. Ça ne me fait rien. C'est-à-dire que dans la parole des parents, dans la parole que tu déclares de ta propre vie, dans quiconque le soit, il y a une puissance. Il y a une puissance. Si tu grandis, on te traite toujours de moche, de mal, manaibite, nengenini. En grandissant, le parent, je vous parle aussi pour vous. Faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Un enfant, peut-être, elle avait un très bon futur. Elle avait une très grande étoile. Mais tellement vous l'avez traité de je ne sais pas quoi, cela affecte beaucoup. Il y a des gens qui ont grandi tellement dans le malheur et la souffrance. Toi-même, ta mère m'a vendu les micatés. Toi, vraiment, dans votre famille, c'est que la pauvreté. Elle grandit. Mais on lui dit, mais tu ne pars pas à l'école, pourquoi? Pourquoi tu ne fais rien? Ah, c'est dans la famille, non? C'est dans la famille. Non, ce n'est pas dans la famille. Si ta mère a été pauvre, toi, tu ne seras pas pauvre. Si ton père a été pauvre, toi, tu ne seras pas pauvre. Si ta grand-mère a été sorcière, toi, tu n'es pas sorcière. C'est pour cela que le Seigneur dit couper les liens. Il faut couper les liens. Couper les liens. Mais je vous en parlerai de ces prédications les jours à venir si le Seigneur me donne encore la sagesse de pouvoir aller encore profondément pour qu'on puisse vraiment comprendre c'est quoi la parole, c'est quoi la puissance des paroles qu'on fait sortir de notre bouche au profond de notre cœur. Mes frères et sœurs, soyez dans la joie au moment dur. Remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce que tout ce que l'Éternel fait est bon pour nous. C'est pour notre propre bien. Soyez dans la paix, dans l'amour. Élevez-vous puissamment. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'amour du Seigneur règne avec vous. Je vais vous dire une chose, une dernière parole que j'ai à vous dire. Si je vis, c'est parce que je crois aussi à la parole que je porte là-dedans. Si je vis, je suis parmi les vivants. C'est parce que le Seigneur connaît les désirs de mon cœur. Il sait la soif que j'ai pour lui. Il sait que malgré que je passe par les difficultés, je crois en lui. Je peux te comprendre. Parfois, c'est beaucoup de souffrance, certes, oui. Parfois, tu as envie seulement de t'en aller. Parfois, tu te dis les hommes ne te comprennent pas. À la maison, il n'y a personne qui t'écoute. Parfois, tu te dis que non, il n'y a que toi qui souffres. Pourquoi toujours toi? Pourquoi toujours toi? Tu pleures, tu te sens seul. Tu as mal au cœur. Tu as personne à qui parler. Tu as peur de te confier aux hommes. C'est manquer de toi. Tu as peur même de frapper la porte à quelqu'un parce que tu as l'impression que personne ne t'ouvrira la porte. Tu pleures, sœur, dans ton chambre. Tu te sens tellement mal. Tu ne sais pas quoi faire. Tu as honte de toi. Tu n'as plus personne à qui parler. Ton mari t'a quitté. Ta femme t'a laissé. Tes parents t'ont abandonné. Tu as perdu la personne que tu aimais le plus, ça soit ton père ou ta mère. Ça soit ta sœur ou ton enfant. Et tu te sens triste, tu te sens mal. Tu ne sais plus quoi faire. Dans ton travail, tu as commencé, les choses ne marchent pas. Mais sache une chose.
Toute chose que Dieu fait est bonne. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend aussi, certes, oui. Mais il faut prier. Soyons vraiment dans la prière. Dans ces genres de moments, ne cherche pas ton refuge envers l'homme. Cherche ton seul refuge envers Dieu. Il est le seul à changer ta situation. Au moment dur, ni ma mère était là, ni mon père était là, ni mes amis étaient là. Même moi-même, je n'étais plus là pour moi-même. Parce que j'avais perdu le sport en moi. Je me sentais très mal. Je ne m'aimais plus. Mais le Seigneur, il était là, il m'a aimé. Il ne m'a jamais jugé. Il m'a jamais critiqué. Parce qu'il a accepté de mourir sous la croix pour toi et pour moi. Pour nos bêtises, pour nos souffrances. Et il m'a restauré. S'il est capable de le faire pour moi, je me suis là, debout parmi le vivant, en train de vous parler de lui. Ce que je sais qu'il est capable de faire dans ta vie. La tristesse, le malheur que tu portes seul, c'est parce que tu n'as pas accepté encore Jésus comme ton sauveur. La tristesse que tu ressens, le malheur que tu es en train de vivre, c'est parce que tu ne sais pas la signification de cet homme qui a donné sa vie sur la croix. Cet homme qu'on l'a piqué ici, on l'a fait mal, il a saigné. Cet homme qui a pleuré sur la croix, mais qui avait le pouvoir d'arrêter le monde, de casser tout. On ne sera même pas là, notre génération ne sera même pas là. Mais c'était par son amour, par sa miséricorde, qu'il a accepté. Et il a porté ta souffrance, il a porté ton malheur sous le croix. Tes fardeaux, ce n'est pas à toi de le porter. Si tu savais qu'il y a un homme qui est ressuscité après 3 jours, pour toi et pour moi que nous soyons vivants, je ne pense pas que tu allais porter tes fardeaux. Je ne pense pas que tu allais croire que tu es seul. Je ne pense pas que tu allais pleurer. Je ne pense pas que tu allais considérer ta vie malheureuse. Je ne pense pas que tu allais te dire que tu es seul, que tu ne vas pas bien, que tu n'es pas heureuse, que tu es un enfant, je ne sais pas comment. Mais si tu acceptais réellement un homme tout-puissant qui s'appelle Amashua, le roi, le roi, le lion de la tribu de Juda, qu'il était, il est, qu'il sera, qui ne changera jamais, que son nom est saint 3 fois. C'est le seul nom qui est élevé partout, parmi les hommes, parmi les nations. C'est à ce nom-là que même le sorcier arrive à délivrer les gens, parce que de leur nom, il n'y a pas la puissance. C'est ce nom-là de Jésus-Christ de Nazareth. Si cet homme que tu as vraiment accepté, je t'ai dit, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas dans l'état que tu es. Mais si tu ne l'as pas encore fait, cherche-le, accepte-le, crois en lui. Il portera tous tes fardeaux. Le Seigneur, il t'aime, il est parmi nous. Le Seigneur, il est tellement amour que parfois quand je pleure, je suis triste. Je regarde où il m'a ramassé. Je regarde comment j'ai été. Je regarde comment je suis devenue. Je ferme mes yeux. Je me dis, ah, Jéhovah Rapha. Ah, Giovanni, tu es au-delà de tout. Nzambe monene, Nzambe monene mingie, Nzambe nangai, mosusu ajalite. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene mingie. Nzambe nangai, mosusu ajalite. Mungu wiwe ma baba e, Mungu wiwe ma Jesu e, Mungu wau, akuna mungu e, Mungu wiwe ma. Il est tellement grand. Aza monene, aza monene, Nzambe monene, aza monene. Zambé, monene. Il est grand. Il est grand, il est grand, il est grand. Il est si grand plus que tout. Regardez la grandeur de Dieu. Regardez un peu, hein. Quand tu dors, tu ne sais pas si tu vas t'élever. Mais quand tu dors, ce qui se passe pendant la nuit, tu ne le sais pas, tu ne l'écoutes pas. Mais où es-tu, point d'interrogation? Et quand tu t'élèves et tu respires, tes yeux se ouvrent, mais quand tu dors, tes yeux se ferment. Regarde encore la grandeur de Dieu. Tu as toujours soif de boire l'eau, mais tu ne sais pas quel goût il y a dans l'eau. Regarde encore la grandeur de Dieu. Un bébé qui, le ventre d'un maman qui a été vide. D'un coup, il y a un bébé qui est dedans, qui se forme, qui sort, qui devient être humain, qui marche, qui parle.
Regardez encore la grandeur de Dieu. Regardez la grandeur. Il a fait la différence entre l'homme et la femme. Regardez encore la grandeur de Dieu. Tu te réveilles les matins, ce matin c'est clair. Vers la nuit, ça devient un peu sombre, c'est la nuit. Regardez encore la grandeur de Dieu. Il y a le soleil qui s'élève, il y a la pluie qui tombe, il y a le neige qui tombe. Regardez encore la grandeur de Dieu. Toi qui ne crois pas en lui, il est puissant. Que le Seigneur soit avec vous. Que la paix règne avec vous. Passez une agréable journée dans la présence, dans l'amour de Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Je vous aime au fond de mon cœur. Que mon Dieu qui me donne la force d'être là parmi les vivants, qu'il soit le même Dieu que je prie. Que ce Dieu que j'ai pris tous les jours, qu'il soit votre Dieu. Éternel, je laisse ces moments entre tes belles mains. Touche le cœur de tes enfants, que ta puissance est à mes droites et l'illumine, Seigneur. Que tu puisses apaiser les cœurs de ceux qui n'ont plus la paix, Seigneur. Que tu puisses le parler à ces moments, Saint-Esprit. Sois béni, éternel, sois élevé parmi les hommes et parmi toute la nation. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que la paix soit avec vous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Shalom à tout le monde.